Découvrez les citations les plus inspirantes de Oprah Winfrey, la présentatrice américaine la plus célèbre. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Créez la vision la plus haute et la plus grande possible pour votre vie, car vous devenez ce que vous croyez. La plus grande aventure que vous pouvez faire est de vivre la vie de vos rêves. J'ai été violée à 9 ans, maltraitée à 10 ans, jusqu'à tomber enceinte à 14 ans. Laisse ta lumière briller. Qu'elle brille à l'intérieur de toi pour qu'elle puisse briller sur quelqu'un d'autre. Le seul courage dont vous aurez besoin est le courage de vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Le vrai pardon est quand vous pouvez dire « merci pour cette expérience ». Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et d'autonomiser leur vie. La passion, c'est l'énergie. Ressentez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui vous passionne. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Si vous êtes assis à attendre que quelqu'un vous sauve, pour vous réparer, pour vous aider même, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer votre vie. Vous devez trouver ce qui déclenche une lumière en vous afin que vous puissiez à votre manière illuminer le monde. Toujours prendre position pour vous-même, vos valeurs. Vous êtes défini par ce que vous représentez. Quand je regarde vers l'avenir, il est si brillant qu'il me brûle les yeux. Si l'argent est votre seule motivation, vous ne réussirez pas. Vous pouvez tout avoir. Vous ne pouvez juste pas tout avoir en même temps. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Transformez vos blessures en sagesse. La vraie intégrité, c'est faire ce qu'il faut, sachant que personne ne saura si vous l'avez fait ou non. Aucune expérience n'est gaspillée. Tout dans la vie se passe pour vous faire grandir, vous combler, pour vous aider. Je vous dirai que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Il n'y a pas eu d'échec. Il y a eu des leçons épouvantables. Entourez-vous seulement de personnes qui vont vous élever plus haut. Ne restez pas d'une relation qui ne vous laissera pas être vous-même. Laisse la vie te porter. N'essaie pas de la porter. Je suis une femme en processus. J'essaie juste comme tout le monde, j'essaie de prendre chaque conflit, chaque expérience et en tirer des leçons. La vie n'est jamais ennuyeuse. Suivez votre passion. Cela vous mènera à votre but. L'échec est un excellent enseignant et, si vous êtes ouvert, chaque erreur a une leçon à offrir. Ce n'est que lorsque vous atteignez une compréhension spirituelle de vous-même que vous commencez à vous contrôler. Beaucoup de gens veulent monter avec vous dans la limousine, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui prendra le bus avec vous quand la limousine tombera en panne. Vous serez blessé plusieurs fois dans votre vie. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les qualifieront d'échecs, mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière de Dieu de dire « Excusez-moi, vous allez dans la mauvaise direction. » C'est juste une expérience, juste une expérience. La vraie cuisine est une forme d'art. Un cadeau à partager. Si des amis vous déçoivent encore et encore, cela est en grande partie de votre faute. Une fois que quelqu'un a eu tendance à être égocentrique, vous devez le reconnaître et prendre soin de vous-même. Les gens ne vont pas changer simplement parce que vous le voulez. Que l'excellence soit votre marque. Lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Faire le bon choix, même si personne ne sait que vous faites ce qu'il faut, vous apportera toujours la bonne chose. Ne donnez jamais votre pouvoir à une autre personne. Je crois que tout se passe pour une raison, même si nous ne sommes pas assez sages pour le voir. Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, renoncez. Donnez-vous à la puissance et à l'énergie qui sont plus grandes que vous. La clé pour réaliser un rêve est de se concentrer non pas sur le succès mais sur la signification. Même les rêves les plus fous doivent commencer quelque part. Accordez-vous le temps et l'espace nécessaires pour laisser votre esprit vagabonder et votre imagination voler. Je ne me considère pas comme une pauvre fille de ghetto démunie qui a réussi.
je me considère comme quelqu'un qui, dès mon plus jeune âge, savait que j'étais responsable de moi-même et que je devais réussir. Comprenez que le droit de choisir votre propre chemin est un privilège sacré. Vous devez seulement croire que vous pouvez réussir, que vous pouvez être ce que votre cœur désire, être prêt à travailler pour cela, et vous pouvez l'avoir. Ne vous confondez pas avec ce que les gens disent que vous êtes, avec qui vous êtes. Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à blâmer quelqu'un d'autre pour votre dysfonctionnement. La vie, c'est vraiment aller de l'avant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous finirez par avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Plus vous louez et célébrez votre vie, plus il y a de vie à célébrer. Vous obtenez dans la vie ce que vous avez le courage de demander. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. C'est la leçon et cette leçon seule vous évitera beaucoup de chagrin. Si vous ne soignez pas les blessures de votre enfance, vous saignez dans le futur. Peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, nous avons toujours notre propre voyage de vie à faire. Les livres ont été mon billet pour la liberté personnelle. J'ai appris à lire à l'âge de 3 ans et bientôt découvert qu'il y avait tout un monde à conquérir, qui était plus au-delà de notre ferme dans le Mississippi. Vous pouvez vous voir soit comme une vague dans l'océan ou comme l'océan lui-même. Il nous arrive parfois d'être concentrés sur la difficulté de notre ascension au point de perdre de vue la nécessité de nous montrer reconnaissants pour le simple fait d'avoir une montagne à escalader. Ce que je sais avec certitude, c'est que vous ressentez une réelle joie en relation directe avec la façon dont vous êtes connecté pour vivre votre vérité. Lorsqu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de force.